Eh bien, chers frères, heureux êtes-vous, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux, nous dit Jésus dans l'évangile de cette solennité de tous les saints que nous fêtons aujourd'hui. La sainteté, c'est le bonheur. Jésus dit bien heureux êtes-vous. La sainteté, elle est pour tous, sans exception. Ce n'est pas réservé à une élite, en aucune manière. Au ciel, il n'y a que des saints. Mais c'est quoi la sainteté? Trop souvent, on se méprend sur ce qu'est la sainteté. En aucune manière, quand nous fêtons les saints, nous honorons leur mérite personnel. La sainteté n'est pas le résultat d'un exploit humain, en aucune manière. La sainteté est un don de Dieu. Quand nous fêtons les saints, nous honorons Dieu dans ce qu'il a fait pour ses saints. Car c'est lui qui les rend saints, c'est lui qui les sanctifie. Sans Dieu, personne ne pourrait aller au ciel. C'est absolument impossible. Sans Dieu, sans la grâce, personne ne pourrait être un saint. C'est absolument impossible. De même qu'il est impossible qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille, de même il est impossible qu'un homme puisse aller au ciel sans la grâce de Dieu. Donc la sainteté n'est pas un exploit. La sainteté est un don de Dieu. Qui dit don, dit accueil du don. Si moi je vous donne quelque chose et vous le refusez, vous ne l'aurez pas. Non pas parce que je ne le veux pas, mais parce que vous ne voulez pas. Autrement dit, le facteur limitant, ce n'est pas Dieu, car Dieu a donné sa vie en son Fils bien-aimé. Lui, le Dieu fait homme, a donné sa vie une fois pour toutes sur la croix, pour que tous puissent être sauvés si tous accueillent le don de Dieu. Il ne veut qu'aucun de ses frères, que sont les hommes, puisse naître à côté du salut. Aucun. Il veut que tous puissent être sauvés. Or, cependant, Jésus le dit dans l'Évangile, la porte est étroite. Parce que beaucoup n'accueillent pas forcément le don de Dieu. Donc, en resituant bien les choses, en comprenant que Dieu a le désir de sauver tous les hommes et fera tout ce qu'il peut pour les sauver. Ainsi, nous devons nous tourner. Qu'est-ce sur ce quoi qui peut empêcher la sainteté? Et là, nous en arrivons à la conclusion que le pire ennemi que nous ayons, qui nous empêche d'être un saint, ce n'est sûrement pas le voisin. Ce n'est sûrement pas l'homme qu'on ne peut pas voir en peinture, alors plus forte raison en vrai, ce n'est pas quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Même le diable, Satan, son pouvoir est limité. En aucune manière, il peut emmener avec lui en enfer un homme contre son gré. C'est impossible. Le pouvoir que nous avons pour nous-mêmes est donc terrifiant par certains côtés. Car nous pouvons dire oui à Dieu et nous serons des saints. Nous pouvons dire non à Dieu et ce sera plus heureux, ce sera malheureux sommes-nous. Parce que notre cœur, tous sans exception, notre âme, est créée à l'image, à la ressemblance de Dieu. Autrement dit, elle est créée pour Dieu.
Et pourquoi est-elle créée pour Dieu ? Parce qu'elle est créée pour la perfection. Et qui est plus parfait que Dieu ? Personne. La perfection ne se trouve qu'en Dieu seul. Donc notre âme aspire à Dieu puisqu'elle aspire à la perfection. Donc le ciel, mes chers amis, ce n'est pas autre chose que Dieu. Vous voulez aller au ciel ? Vous allez à Dieu. On est très loin des images d'Épinal qui nous font d'un paradis, le ciel, à l'image d'un paradis terrestre. Mais alors absolument très très loin. On n'est pas dans la jouissance orgueilleuse de mon petit bonheur personnel et les autres ne me concernent pas. Non. La sainteté, c'est laisser vivre Dieu en moi. La sainteté, c'est de vivre de Dieu. Le ciel, c'est vivre de Dieu. Pourquoi la Vierge Marie, elle trône au-dessus de tous les saints, et même, elle dépasse les anges, alors qu'en tant que créature, elle est en dessous des anges. Les anges sont au-dessus de nous. Ce sont des créatures purement spirituelles, de purs esprits, qui n'ont pas de corps. Donc, ils sont plus proches de Dieu dans l'ordre de la création. Cependant, la Vierge Marie, elle est élevée au-dessus, car la grâce qui habite son cœur est telle qu'elle rayonne tout simplement de l'amour de Dieu. Quand on voit la Vierge Marie, quand on voit son cœur immaculé, on voit Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a préparée de toute éternité pour être la mère du Sauveur et pour être notre mère à tous. En lui demandant, bien sûr, si elle acceptait. Elle n'est pas téléguidée, ce n'est pas un robot, elle n'est pas robotisée. Dieu demande toujours la permission à chacun d'entre nous, même s'il ne prend pas le téléphone pour nous dire « Écoute, mon ami, je te propose la sainteté, est-ce que tu es d'accord ?» Non, évidemment. Mais la Sainte Vierge Marie n'a pas reçu d'appel téléphonique. Évidemment. Mais dans son cœur, elle reçoit toutes les sollicitations de Dieu et elle dit oui à tout, sans exception. De telle sorte que le jour de l'Annonciation, quand l'ange Gabriel va se pointer devant elle, prenant bien sûr une apparence avec un corps, va lui demander si elle veut bien être la mère du Sauveur. Et c'est lorsqu'elle dira « Que tout se fasse pour moi selon ta parole » que Dieu viendra dans le monde. Il s'incarnera. À l'instant même, Dieu se fit homme en son sein. Tout est suspendu à un oui. Imaginez un seul instant si Marie n'avait pas dit oui. Qu'est-ce qui se serait passé ? Pas de Jésus, pas de salut, pas de saint. Tout est suspendu à un oui. De même que le oui de Marie fut absolument nécessaire pour que Dieu se fît homme, de même, notre oui à chacun d'entre nous est absolument nécessaire pour que nous puissions connaître le salut. Autrement dit, le bonheur. Vous remarquerez, mes chers amis, que vous n'êtes jamais satisfait. Mais absolument jamais. Quand vous avez des biens que vous rêvez depuis longtemps, une fois que vous les avez, ça ne suffit plus. Vous voulez autre chose. Votre cœur est perpétuellement insatisfait. Et c'est normal, car sur terre, il n'y a rien qui puisse satisfaire un cœur si ce n'est l'amour de Dieu. Nous avons un cœur qui est fait pour l'infini, et nous n'avons que du fini sur terre. Le seul qui est infini, qui n'a ni commencement ni fin, c'est Dieu. Autrement dit, le ciel, ce sera de vivre de Dieu. Et nous nous réjouirons, les saints se réjouissent, autant du bien des autres que de leur propre bien, puisque tout est Dieu, tout est divin dans le cœur des saints. Voilà pourquoi c'est un amour parfait. Voilà pourquoi c'est une plénitude de bonheur et de joie.
qui comble réellement les cœurs. Alors, mes chers amis, l'avantage avec le bon Dieu, c'est que c'est jamais trop tard. Souvent dans le monde, on vous fait une proposition, mais vous avez une date limite. Après, c'est fini. Avec le bon Dieu, tant que vous êtes sur terre, tant que vous pouvez vous respirer, vous êtes encore en vie, même si vous êtes dans le coma, vous êtes encore en vie, Dieu vient visiter votre cœur et il vous propose toujours, veux-tu venir avec moi? Veux-tu que je puisse venir en toi? Y compris à la dernière extrême limite. Donc tout est possible pour lui. Il attend simplement le oui de notre cœur. Et mes chers amis, Dieu ne demande pas en échange de passer un bac plus 15 pour être un saint. Il n'y a pas un certificat à passer de bonne conduite. Il y a simplement à dire un oui qui, bien sûr, demande forcément un renoncement à sa volonté pour épouser celle de Dieu. C'est ça la sainteté. Donc, par conséquent, que vous ayez une foi très grande ou une foi peu grande, peu importe comment vous l'estimez, il n'est jamais trop tard de dire oui à Dieu. Et l'avantage avec le bon Dieu, c'est que non seulement ça comble votre cœur, mais c'est que vous ne serez jamais déçu. Autant on peut faire confiance aux gens sur terre, mais que nous pouvons être déçus, autant faire confiance à Dieu, c'est le bonheur parfait, parce qu'il n'y a pas de déception possible. Ça veut dire aussi, quand je fais confiance à Dieu, c'est que je reconnais que Dieu est Dieu, et que par conséquent, il sait mieux que moi ce qui est bien pour moi. Et que si ma volonté est contrariée, n'empêche que ce que Dieu veut pour moi est bien meilleur pour moi, et donc par conséquent, je l'accepte. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu visiter une petite sainte polonaise dans les années 30 et a demandé à Sainte Faustine de faire peindre le tableau de Jésus miséricordieux que vous avez dans la nef, suspendu sur la colonne, le pilier. Jésus a demandé de faire inscrire au bas du tableau « Jésus, j'ai confiance en toi ». La confiance. Le maître mot de l'âme qui a la foi, qui met toute sa confiance en Dieu parce que Dieu le comble nécessairement. Ça veut dire, mes chers amis, nécessairement aussi, que je ne peux pas mesurer nécessairement les fruits de ma confiance en Dieu. Car Dieu n'est pas là pour me dire, pour me montrer, tu as fait confiance, voilà ce que tu vas avoir. La confiance, quand je fais confiance à quelqu'un, nécessairement, je ne mesure pas si j'ai raison de lui faire confiance ou pas. Je m'abandonne à lui. Et il est raisonnable de s'abandonner à Dieu, parce que Dieu est le seul qui ne peut pas se tromper, et donc pas me tromper. Voilà ce qu'est la sainteté. Demain, mes chers amis, nous prions pour nos défunts. Aujourd'hui, nous prions les saints pour qu'ils puissent nous aider à aller au ciel, nous aider à faire comme eux, à faire preuve de confiance en Dieu. Eux, ils jouissent d'un bonheur parfait, nous les prions pour nous. Demain, nous prions pour nos défunts. Autrement dit, ceux qui ne sont pas forcément encore au ciel, mais qui sont dans l'attente du ciel, qu'on appelle le purgatoire. Pour faire court, pour résumer ce que ça veut dire, autrement dit, c'est la douche de l'âme. Je me rends compte avec la vision que Dieu me donne que mon âme n'est pas encore tout à fait ajustée. Imaginez un seul instant, je m'excuse de prendre un peu de l'avance pour demain, mais c'est important que vous puissiez distinguer les saints et les défunts au purgatoire. Imaginez un instant si vous êtes invité à une fête, par exemple le mariage d'un proche, et que vous êtes en tenue de travail, en bleu de travail, vous avez votre jardin, vous êtes plein de boue, vous sentez mauvais, etc. Est-ce que vous allez vous pointer comme cela au mariage? Évidemment non. Vous allez vous changer, prendre une bonne douche,
Eh bien, le purgatoire, c'est cela, la douche du cœur. Je regarde, je vois mon cœur à travers le regard de Dieu qu'il y a besoin d'un ajustement à son amour. Voilà pourquoi demain, nous prierons pour nos défunts, pour qu'ils puissent être purifiés plus rapidement, car ils ne peuvent rien pour eux, afin de pouvoir aller au ciel et en retour prier pour nous. Voilà la distinction que souvent on se méprend sur ces deux fêtes que sont la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts qui est le 2 novembre. En conclusion, mes chers amis, sur cette terre de Saint-Mexan, nous avons trois saints. Saint Agapite, Saint-Mexan, Saint-Léger, qui ont leurs deux tombeaux en dessous du cœur. Demandons leur intercession pour que nous puissions, nous aussi, avec le secours en plus de la bienheureuse Vierge Marie, que nous préparions nos cœurs pour cette grande festivité que le Seigneur veut instaurer entre Dieu et l'humanité. Amen.